On enlève les chaussures dans le studio de mes soins. Babe, t'es jolie, alors fais-moi voir tes seins. Rentre dans cette pute pour développer ses sens. Bois tropico jusqu'à péter ma planche. Je ride sur instru, y'a tout le monde qui veut faire comme moi. Balade dans la rue solo, pas le temps, je vais pas te le dire 100 fois. Salut les gens, c'est mes soins pour le 32e épisode de Juno Beat. Aujourd'hui, on va voir comment j'ai fait une prod avec des inspirations de musique de film, avec un instrument des années 50, le theremin. Et après, Melo, un rappeur, va kicker sur la prod. Il aura écrit son texte, enregistré et tout ça le même jour dans mon studio. Donc, impatient de vous montrer tout ça. En cherchant un peu dans Omnisphere et en testant plusieurs sonorités pour voir laquelle allumerait l'étincelle, je suis tombé sur ça. Un plugin, enfin un preset Omnisphere qui s'appelait theremin's Journey. Et ça allait comme ça. Très intéressant, je trouvais ça très beau. Et le theremin, je le kiffais pour deux raisons. Déjà parce que l'instrument lui-même, je kiffe son concept et sa sonorité. En gros, le theremin, c'est un des rares instruments qui peut être joué sans contact physique. Et grâce à une barre verticale et une barre horizontale, on peut jouer avec non seulement la vélocité, mais aussi avec faire des jeux de variation d'hauteur en se rapprochant, en s'écartant des barres. Donc ça, déjà, le concept, il est kiffant. En plus, je l'avais entendu dans une bande-son de Alexandre Desplat qui appartenait au film The Shape of Water. Tout ça m'a motivé à prendre plus de temps, à investir plus de temps, à essayer des choses avec cette sonorité-là. Et j'ai eu cette mélodie. Que j'ai repris et appliqué sur d'autres instruments, histoire de rarifier un peu ce theremin et qu'il arrive seulement quand un peu comme, voilà, comme le buffet. Et donc créer un peu un espèce de manque, et quand il arrive, que ça soit quelque chose de spécial qui se passe, quoi. Donc le premier instrument de substitution que j'ai utilisé avec la même mélodie, c'était ça. J'ai superposé ça avec un autre, un Wurlitzer, auquel j'ai ajouté un EQ. Et comme tout tendait à aller un peu lentement, à s'étendre dans le temps et être un peu évolutif et trop dans les nappes, je voulais changer de rythme avec... ramener des progressions d'accords de 1 et changer un peu de rythme. Donc ça a donné quelque chose comme ça. Boum. Donc le tout avec les progressions d'accords, avec le theremin et un des deux synthés qui joue, ça donne ça. Et là, qu'est-ce qui manque, c'est la batterie et la basse. Voilà, ça c'est l'instru que j'ai présenté à Melo. Il a écouté, il a kické ça en un jour. Donc je vous laisse avec l'artiste du jour, Melo. On enlève les chaussures dans le studio de mes soins. Babe, t'es jolie, alors fais-moi voir tes seins. Rentre dans cette pute pour développer ses sens. Bois tropico jusqu'à péter ma planche. Je ride sur instru, y'a tout le monde qui veut faire comme moi. Balade dans la rue solo, pas le temps, je vais pas te le dire 100 fois. Elle veut que je l'aime ou au moins que je l'adore. On couche ensemble mais y'aura pas d'accord. Je fais des blagues pendant le rapport. Y'a femme qui rit, t'inquiète, j'ai tout son corps. Hey, j'ai écouté Christophe mais je veux pas qu'on s'attache. Non, non. Oups, oups, oups. J'étais à deux doigts d'aller lui mettre dans sa chatte. Plein dans la ville, plein dans le sud. Dans ma broche, ça confectionne des trucs. Plein dans la ville, plein dans le sud. Dans ma broche, ça confectionne des trucs. Wow. J'ai plus le time, je te l'ai déjà dit. Elle veut le sabre du Jedi. On se verra peut-être jeudi, mais là je peux pas, je suis trop high. Donc voilà, c'était la performance de Melo. J'espère que vous avez kiffé.
Là, ce qui est, je vais commencer un peu plus à me mettre vers YouTube. Donc, vous verrez des tutos sur la chaîne. Les Journey of Beats seront un peu plus étendus et iront un peu plus en profondeur pour vous, les beatmakers. Et bien sûr, vous pouvez aller me suivre dans mes autres réseaux, sur Instagram. Là, je montre un peu mon processus de création des vidéos, un peu plus d'aventures qui concernent la production musicale en général. Et j'espère vous voir dans une prochaine vidéo. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ce genre de format. Si il y a des choses intéressantes que vous voudrez que je mette dans les vidéos, des sujets, des type beats à faire, des choses comme ça. Et on se revoit la semaine prochaine.